Je viens donc porter un message d'amitié de la part du président Macron, un message de soutien dans les réformes qui sont en cours et un message de solidarité face au terrorisme qui a endeuillé votre pays, qui a endeuillé aussi notre pays il y a peu de temps. Il y a encore quelques semaines, des Coptes égyptiens étaient ciblés par l'un de ces groupes qui prêchent la haine et tentent de semer la division dans nos sociétés. Et j'ai souhaité rencontrer le pape Tawadros II aujourd'hui pour lui présenter mes condoléances. تناولنا قضايا الإقليمية خاصة الأوضاع في ليبيا وجهود توصل الأشقاء في ليبيا إلى توافق حول اتفاق السياسي ودعم هذا المسار